Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Utin65 et on se retrouve pour le rétro stream sur Runaway Road Adventure. Peut-être qu'on finira ce soir, hein, puisqu'il nous reste. On va faire qu'une heure, parce que ça sera un live un peu spécial. Vous aurez, alors pour vous qui êtes sur YouTube, ça vous le verrez pas trop, mais pour vous qui êtes sur Twitch, on aura une heure de Runaway et une heure de Wolfenstein, puisque je peux faire qu'un seul stream ce soir. Enfin, cette semaine, pardon. Et salut Sobeka, salut Mangazor, comment allez-vous? Alors, j'ai changé l'annonce audio de la pause. C'est bon. Voilà, ça a été changé. Ça va, ça va. Ça va très bien. Ah mince, un dit un peu moisi. Ah oui, c'est chiant du coup. Tu peux la tester si t'as envie. Ça ira un peu ton lundi. C'est un peu moisi. Ah. Y a pas de souci, ça me dérange pas. S'il faut, en plus, ça va pas marcher. Bon, normalement, j'ai testé quand même dans l'après-midi. Mais s'il faut, si... ça va pas marcher. J'ai fait une connerie, non, je sais pas. On verra. Donc voilà, on va du coup continuer Runaway, et du coup la pause, ben, je changerai le stream, on passera sur le stream de la violence sur Wolfenstein, sur le DLC de Freedom Chronicles. Allez, on était ici, du coup, si je me rappelle bien, donc on avait Mama Dorita, on devait essayer de contacter l'esprit du père de Gina, puisque... Puisque, ben, en fait, on doit s'adresser, d'après ce qu'a dit Wupuchin, là, l'Indien, il faut qu'on s'adresse à un mort. Donc, on doit s'adresser au père. Alors, on a un tomahawk, un tisonnier, un doigt, une branche du buisson qu'on avait trouvé devant la grotte des Hopis, un quart de la mine, la lampe, et tout. On se trimballe toujours notre bon de commande, notre portefeuille normal et nos clés aussi. D'ailleurs, je sais même pas où c'est qu'elle est notre bagnole. Eh bien, on a les clés de bagnole, mais on a peut-être pas la bagnole en fait. Parce que, si je me souviens bien, on s'était fait enlever, donc n'y est pas allé, n'y est pas allé par nos propres moyens. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Lui, est-ce qu'il peut nous Oscar. aider déjà, Oscar? Oula, qu'est-ce qui se passe? Quoi? D'accord, c'est normal. Je sais pas si vous entendez le son en double. Voilà, c'est bon, ça marchera mieux. J'avais les haut-parleurs de l'écran activé, c'est pour ça que ça me faisait bizarre. Alors, Scar, qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, qu'est-ce que tu faisais à mon avis? C'était un mafieux, le gars. Tu as entendu l'écho, Sobeka? Normalement, tu as dû entendre. Et buvez de l'eau. Tout à fait. Tant pis, ok. Ah, c'est mieux. Non mais après moi le micro comme c'est micro sur bras technique et que c'est un alors, entre dans les détails c'est un cardioïde du coup il prend que devant lui il prend pas derrière lui donc normalement on a pas dû trop l'entendre mais c'est possible qu'on l'ait entendu quand même et moi ça m'a fait bizarre ça m'a fait bizarre surtout qu'en plus j'ai l'impression de plus l'entendre dans le casque du coup bon Mama Dorita on sait ce qu'elle nous a dit je me rappelle la mine abandonnée il n'y a plus besoin d'y aller le cratère non plus. On va aller à Douglasville. Qui c'est qui pourrait nous aider? L'autre, il veut quoi déjà? C'est que lui, il veut quelque chose. Robert. Hé, hey, Roby, hé, hey, quoi de neuf? Certes, tu sais, c'est quelque chose. Au fait, la musique que tu jouais était vraiment cool. Ouais. Comment dire un peu plus sur les À croyances? Non, propos de ça, notre petite discussion au sujet de la préparation pour entrer en transe. Ouais. Une idée de ce que tu voudrais en échange? Non. Vraiment aucune, man. Trouve un truc qui pourrait me plaire. Eh ouais, mais qu'est-ce qui pourrait te plaire? Si j'ai pas tes goûts, je peux pas savoir. Tu pourrais m'en dire un peu plus Et sur oui, les c'est vrai que croyances c'est de un Rastafari. Rastafari? Non. D'accord. Ça, c'est clair. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur les croyances Rastafari? Non. Non, Au fait, la non, musique ça que tu jouais t'intéressera était pas. vraiment cool. Tu l'as trouvé cool? Les bongos, ça me fait vraiment vibrer. C'est vraiment mon truc, tu sais. D'accord, donc il adore les bongos. La serre que tu as installée, c'est quelque chose. Merci, man.
Les plantes, c'est toute ma vie. C'est ça le truc. Je fais surtout pousser des épices africaines. Tu sais pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. D'accord. Je vais te laisser, Robbie. À plus. À plus. Du coup, il aime les fleurs. Est-ce qu'il voudrait pas un bout de buisson? Je comprends pas. Non, d'accord. Je sais pas, il aime les plantes, c'est son truc. Buisson, Brian, hein? Non? Bon. Après, dans notre truc, je suis pas sûr qu'il veuille le doigt. N'importe quoi. D'accord. Tomahawk, peut-être? Je vois pas pourquoi, mais bon. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Quoi? Hé, hey, Robbie! Hé, hey, quoi de neuf? Je pense avoir quelque chose qui pourrait t'intéresser. Eh ben, fais voir, Tomahawk. C'est ni... ni un instrument de musique. Ah, mais c'est une hache-pipe, d'accord. Tant que ça te plaise. Alors, on va pouvoir faire affaire. La pipe, en échange. Non, mais en fait, si, c'est normal, du coup. Préparation dont nous avons parlé. C'est une... c'est une hache-pipe. Moi, je pensais que c'était un Tomahawk, quoi. Tout simplement. Voilà. Faites pas ça chez vous. C'est trop de la balle, man. Tire un peu là-dessus. Non, merci. Je ne fume pas. Mais tu m'as pas demandé un mix d'herbe pour te détendre. Ah non, du but en... Mais si, non, mais moi, c'est mais... ça, du but en blanc. Moi, je voyais pas. Enfin, je vois, je testais tous les objets qu'on avait dans l'inventaire, quoi. Il manquait, j'allais tester le tisonnier juste après parce que je me suis douté qu'il allait dire non, mais. Enfin, je pensais qu'il allait dire non, du coup. Ne doutez pas. Parce qu'il dit oui. Une taf suffira. Oula, ça tourne. Je ferais mieux de faire. Ça tourne, il est là-haut. Je pense être prêt à servir de médium. Voyons, montrez-moi vos yeux. Non, c'est non, t'as un regard vide. Non. Il est vrai non. Que votre disposition à abaisser votre niveau de conscience pour entrer en transe s'est améliorée. Mais d'accord. Vous me semblez encore loin d'être suffisamment préparé. D'accord. Ok. Celui-là, ça, on a déjà tout demandé. C'est bien un médium, à moins de trouver quelqu'un d'autre. Moi, je pensais qu'on prendrait le gars, mais au final, non. C'est nous qui allons servir de médium. Je vous ai assez embêté comme ça. Il faut qu'on soit défoncé. Au revoir. Vaya con Dios, Brian. Bon, bah, on va aller revoir un truc. On va dire que ça défonce pas ton truc. Et d'ailleurs, j'ai pas souvenir non plus que sur le... Quand on cliquait sur le Tomahawk pour savoir ce que c'était, qu'ils nous disent que c'était un... J'ai pas souvenir qu'ils disaient qu'il y avait un étrange renfoncement sur le dessus ou... Sur un côté de la hache, quoi. Donc c'est pour ça, je trouve ça... Je trouve ça curieux, le coup du Tomahawk. Je trouve quand même que le jeu, niveau... niveau indice, même minime, sans compter, bien sûr, un truc qui t'aide, hein, je veux dire... Je veux dire, voilà, comme dans Broken Sword où tu pouvais demander un indice, niveau indice pur que le jeu peut te donner, ils sont inexistants. C'est dommage, ça aide pas. J'ai pas souvenir non plus, hey, ça aurait au moins pu nous mettre la puce à l'oreille. Tout à fait, ouais, bien sûr. Alors, le mélange que tu as mis dans la pipe n'a pas marché. Le mélange que tu as mis dans la pipe n'a pas vraiment marché. Il me faudrait quelque chose d'un peu plus fort. Plus fort, hein? Pour appeler Jean-Mi, à moins que je crois que je sais ce qu'il te faut. Ouais. J'ai étudié dernièrement quelques vieilles recettes de chaman. Il y en a une dira pas son nom. Que les hommes médecine de la tribu des Hopis utilisaient. T'as déjà entendu parler des Indiens Hopis? Oui, j'en ai entendu parler. C'est pas, c'est bien de dire son, comment ça dire son prénom. C'est pas très légal ce que tu vends, Robbie. Esprit à quitter leur corps et à se rapprocher de Kichi Manitou, le grand esprit. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Pourrais-tu m'en préparer? Je crains que non. J'ai tous les ingrédients sauf un. Le plus important, le yahuasquel. Yahuasquel? Ouais. C'est quoi? On trouve ça dans des gousses qui poussent dans le coin. Mais le problème, c'est que j'ai jamais pu trouver cette plante. D'accord. Pourtant, j'ai passé des semaines à explorer la région. Apparemment, elle ne pousse que sur les terres sacrées des Hopis. Ah, on a une branche d'un truc des terres sacrées des Hopis. Ce yahuasquel? D'après ce que j'en sais, ça ressemble à des petites boules rouges foncées. J'ai sérieusement planché sur le sujet. Même si je n'ai jamais vu ces baies, je suis sûr que je pourrais les reconnaître si j'en voyais. C'est très intéressant, Robbie. Je vais lui montrer la branche, du coup. On parlera plus tard. Pas de problème, man. Ça, on l'a piqué sur le territoire Hopi.
trimballe toujours la branche que j'ai arrachée devant la grotte sacrée. En y regardant de plus près, il y a des gousses sur la tige. Le coup de bol ! J'ai arraché une branche de la plante que Robby cherche depuis si longtemps. Je vais cueillir les gousses. Ah. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à les ouvrir pour vérifier qu'elles contiennent bien ces fameuses baies rouges. On dirait les haricots dans Five Farm. Pas moyen de les ouvrir à main nue. J'ai besoin d'un outil pour faire ça. Mec, tu peux me prêter la hache, s'il te plaît ? J'ai besoin d'un outil. Hey, Robby ! Hey, quoi de neuf ? Non, croyance, ça sert. Bah non, il veut pas me prêter la hache. A plus ! A plus ! On trouve un outil. Il contient tout l'équipement qui sert à entretenir ces plantes. Dans le placard, peut-être qu'on a un truc, une pince, un sécateur, un truc comme ça. Ou un couteau. Il n'y a plus rien d'utile. Non, d'accord. Allons voir Saturne. Ton burin pour nous aider. Hé, hey, Saturne ! Quoi ? Je suis pas sûr que ça ouvre les gousses, un burin, mais bon. Pour essayer de travailler sur une sculpture de pierre. On va me rendre le casque. Ben non, on en a plus besoin du casque. Tu travailles sur une sculpture de pierre ? Ouais, je peux pas vraiment te dire ce que c'est, mais l'inspiration me donne des ailes. Très bien. T'as essayé le mélange spécial de Robby, c'est ça ? On en parlera plus tard, Saturne. A plus tard. Ciao, bello. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas des outils ? Il manque un outil, là. À tous les coups, c'est la clé de 10. On s'en fout de la clé de 10, on en a plus besoin. Pour le moment. Bah, si. On a besoin d'un. Où c'est qu'on pourrait trouver des outils ? On va voir Sushi, peut-être que Sushi a des outils. Ah, mais tisonnier, attends. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Non, tisonnier, ça marche pas. Branche de buisson. Ce n'est pas une bonne idée. Je vois pas beaucoup, c'était nul, mais bon. On teste. Alors, Sushi, comment on fait pour monter? Ah, voilà. Est-ce que... Non. Non, d'accord, je vais pas lui en parler. Sushi, désolé de te déranger. C'est bon, pas de problème. Tu crois que j'aurais dû à la Berkeley, oh, hein, bah y'a rien de plus. Ok, à plus tard. A plus. Ici je crois qu'on avait tout récupéré, à part les fusils, mais les fusils il veut pas les décrocher du mur. Peut-être que maintenant il voudrait. Déjà, est-ce qu'il veut regarder le registre ? Il y a juste des noms et des signatures. Et donc, on s'en fout quoi. Ils sont là juste pour la déco. Ces fusils sont juste décoratifs. Ils ne me serviront à rien. Ouais, tu veux toujours pas les prendre. Je ne collectionne pas les autographes. Sushi l'a sûrement laissé pour la décoration. Ok, donc rien ici. On va aller revoir Robby, voir lui montrer les gousses. Déjà. N'importe quoi. Et quoi ? Ça ne donne rien. Si on lui donne à manger à la plante carnivore, est-ce qu'elle me recrache les gousses ? Ça ne m'avancera pas à grand chose. Les trucs à l'intérieur des gousses, parce que d'accord, ça marche pas. Parce que les gousses, non, on recrachera pas les gousses, elle les bouffe. Mais bon, ça marche pas. Allez, avance. Il y aurait bien le bon docteur, c'est un docteur, on a trouvé un stéthoscope, il peut peut-être avoir un scalpel, un truc dans le genre. Un couperet. Prendre quelque chose. Voyons si je peux trouver autre chose. Et sérieux, si ça, c'est quand même la troisième fois qu'on le fouille ce truc. Scalpel est peut-être la solution à mes problèmes. Voilà, et en plus il y a un scalpel. C'est quand même la troisième fois qu'on le fouille ce truc, il n'avait pas sorti le scalpel. Et j'avais refouillé je crois, il avait dit il n'y a plus rien à prendre.
C'est dommage et frustrant, je trouve. Alors, le scalpel. Ouais, je vais essayer sur les gousses. Les gousses avec le scalpel pour récupérer. Bah ouais, c'est toujours frustrant, ouais. Pouf, oh, j'y arrive pas. Hein. Les gousses sont trop dures et le scalpel est moussé. Ouais, et... Ouais. Je fasse Brian. N'a rien pour l'aiguiser. Dans l'atelier de Saturne, mais... Je demande à Saturne s'il a quelque chose. N'importe quoi. Bon bah non, je vais pas demander à Saturne s'il a quelque chose du coup. Ruby peut-être. Ça m'étonnerait parce que Ruby c'est un jardinier. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Et... Pas Ruby. Tester sushi. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Sushi. Il est trop cool. Non, c'est pas ça que je veux. C'est descendre que je veux. Y a pas de forgeron parce que sinon on pourrait essayer de déguiser chez un forgeron, mais. Je vois pas de forgeron. On va aller voir si lui peut pas m'aider. Hop. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Oh, il m'aidera pas. Allez. Merci. Le drugstore. On pourrait se servir, mais bon, je sais pas si ça marcherait. On va aller voir le train aussi. On pourrait servir des roues du train pour l'aiguiser. Impossible. Il faudrait si on arrivait à les faire, les mettre en mouvement. Ok. Et avec le tisonnier. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Dans la banque, il n'y avait rien, si je me rappelle. Je vais voir. Non, c'est pas ça que je veux voir, c'est. Elle est où la manette de mise à, en route? Elle est là. Je ne pense pas que la locomotive fonctionne encore, et je ne veux pas prendre de risques. La loco est couchée sur le côté. Je ne sais pas trop ce qui pourrait se passer si je mets la propulsion en marche. Avec les roues tournent. Moi, ce truc de mettre dans le feu. Ce n'est pas nécessaire. Les bûches continuent à brûler pour le moment. Eh ben oui, mais dans le feu. Ce n'est pas nécessaire. Les bûches continuent à brûler pour le moment. Les mettre dans le feu là. À quoi ça sert? Enfin si tu fais chauffer la lame, ça coupe mieux, mais bon. Ça sera toujours émoussé quoi. Ouais, c'est une bonne idée. Le scalpel coupera beaucoup mieux une fois qu'il sera chaud. Oui et non. Je vais le laisser quelques secondes. Ça devrait suffire. Aou! Attention, c'est brûlant. Il met ça dans sa poche. Ah ouais, chauffer un couteau, oui, ça fait, ça aide à, ça ramollit la lame quand même. Je ne vais pas me laisser faire par une saloperie de gousse. Et coupe-toi un doigt. Enfin, j'ai enfin récupéré ces fichues baies de. Une poche qui pique. Justesse. Le scalpel commençait à refroidir. Il est encore plus abîmé qu'avant, mais bon, j'ai eu ce que je voulais. Oui, si tu fais chauffer, autant le. Il a refroidi. Ce n'est pas plus mal. Je me voyais mal me trimballer avec un scalpel chauffé au rouge. Le feu au vin rouge? Ah bon? Tiens, c'est nouveau, c'est moderne. Bon, allons lui montrer ses foutues gousses. Hop. Allez, rentre. Ben, c'est foutu B, du coup, c'est pas des gousses, c'est des B. Waouh! Tiens. Ruby va halluciner en voyant ça. Hé, hey, Ruby. Hé, hey, quoi de neuf? Tu ne vas pas le croire. Quoi? J'ai des baies de Yawaskel. Tu déconnes, man. Tu me crois pas? Voir, c'est croire. Hein, mec. Aussi bien, il les a déjà vus, donc si c'est pas ça, il va nous dire. Ah, bah si, c'est ça.
c'est des Yahuasquels. Je te l'avais dit. Tu pourrais me faire un peu de ce mélange Hopi dont tu m'as parlé? Sûr, je m'y mets tout de suite. Super, je te laisse travailler. Bien, il s'est écoulé un bon moment. Je pense que Robbie va terminer sa mixture. Robbie? Ouais, je suis là. C'est prêt? Que ouais que c'est prêt. Et je te dis tout de suite, c'est de la top qualité, man. Ces Hopis savaient ce qu'ils faisaient. Si ce truc te met pas en orbite, mon pote, alors sérieux, y a rien à faire pour toi. Ok. C'est pas trop dégueu? Dégueu? Man, les Hopis étaient tellement cool que même leur mix avait un super goût. Bois sans crainte, man. Du coup, là, c'est une boisson, c'est plus un truc à fumer. Hmm. Ah oui, je sens déjà les effets. On dirait que je commence à l'éviter. Je file avant que les effets ne s'aggravent. Ok, man. Ça te dérange si je bois ce qui reste? Alors là, je suis sûr que vas-y, c'est vas-y, prêt Ruby. Pour servir de médium. Vous n'abandonnez jamais, hein? Très bien. Ouais, persévérant. Faites-moi voir vos yeux. Vous avez gagné, Brian. Elles sont pas censées être dilatées quand on est défoncé les pupilles? Votre esprit. Ils sont pas trompés dans le Nous sens. Devons à présent préparer votre âme. Préparer mon âme? C'est indispensable, au cas où quelque chose tourne mal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pensais pas que ça pouvait être dangereux. Ça ne l'est pas, tant que le médium est bien préparé, croyez-moi. Merde, tu pas préparé. Une préparation de votre âme vous protégera de la peur. Ok, ouais, Dak. Qu'est-ce que je dois faire? Agenouillez-vous devant cet autel. Là? Oui, à genoux. Aïe. Répétez après moi. Ok. San Luciano, je prie pour que vous preniez soin de mon âme pendant qu'elle sera loin de mon corps. D'accord. Ah, il y avait un couteau là, on aurait pu prendre la machette. Chercher un autre médium, non, bah vas-y. Luciano, on n'a pas fait tout ça pour rien. Pour que vous preniez soin de mon âme pendant qu'elle sera loin de mon corps. Santa Brigida. Protégez-moi de votre manteau et ne laissez pas le mal s'emparer de mon corps. Ah non, hein, pas Sainte Brigitte. Oh, vas-y, vas-y, continue. Protégez-moi de votre manteau et ne laissez pas le mal s'emparer de mon corps. Jesus, mon âme est pure et prête à rejoindre l'autre monde si telle est votre volonté. Ouais, ça présage rien de bon quand même. L'autre monde, tout ça, mort, décès, non? Il n'y a pas de risque? Bon, Jésus, allez, continue. Mon âme est pure et prête à rejoindre l'autre monde, si telle est votre volonté. Voilà, levez-vous. Ok, je vais chercher Gina. Qu'on en finisse avec ça. Pas si vite. Ouais, t'es pas en état. T'es en état de chercher personne, là. Où ça? Ne vous inquiétez pas, c'est l'endroit idéal. Vous voyez le puits à droite? C'est là. Allez. Ah, le puits vide, là? Ah non, c'est celui-là, d'accord. Non, je pensais le puits dehors. Oui, il le faut. Arrêtez de réfléchir et allez-y. Vamonos. Vous verrez une chaise au milieu d'un pentagramme. Asseyez-vous et préparez votre esprit. Oscar nous aidera à descendre, Gina et moi. Bah, il peut pas aider aussi Brian parce que je suis pas sûr qu'il soit en état de descendre tout seul. Je sens qu'il va nous faire un bad trip. Brian, il est très important. Oula. Oui, le bad trip. C'est ça, il va attacher un échelon. Si, croyez-moi, c'est pour votre santé. Il me fait peur, Madurita. Avec sa tête en gros plan. Regardez-moi dans les yeux, pour favor. Toutes vos tensions s'échappent de votre corps. Vous êtes détendu. De plus en plus détendu. Vous vous sentez bien. Moi, je suis détendu, okay. Je suis détendu. Je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, vous sombrerez dans 1, 2, 6. Ah merde, il n'y a pas eu de 3. 2, 3. Ah non, 3, c'est bon. Nous sommes là pour entrer en contact avec un habitant du monde des esprits. Nous avons la volonté et le médium. Nous avons la volonté et le médium. D'accord. Le médium attend au centre du pentagramme. Ça fait flipper quand même la tête de Madurita aussi près. Nous invoquons cet être avec tout le respect qui lui est dû. Nous avons la volonté et le médium.
Gina, c'est à vous. Parlez avec cet esprit. Dites-lui ce que vous avez à lui dire. Joe l'Indien, c'est moi, Gina. J'ai besoin de te parler. Nous avons été interrompus alors que tu allais me dire quelque chose. À présent, Joe l'Indien. J'ai la chance de terminer notre conversation. Ça s'appelle Joe, son père? C'est moi, Gina. Je t'en prie, parle-moi. Hey, c'est lui qui tient Gina. C'est Oscar qui tient Gina, d'accord. Je me demandais comment. J'ai l'impression qu'il tenait comme un sac à patates, mais non, en fait. Ouais, ça c'est mélange, ça, il convulse. J'ai freeze ? Non. Ah non, j'ai pas freeze. Où suis-je ? Les Sandretti t'ont eu ? Oui. Je m'en souviens. C'est flippant, ouais. Nous discutions d'Iguana quand ces tueurs se sont pointés. J'ai du mal à me souvenir de la suite. J'augmente le son dans mon casque parce que moi j'entends pas trop. Joe, écoute, ils t'ont enfermé. Les Sandretti t'ont enfermé dans la cave sous la réserve du Pink Iguana. Les salauds. J'ai quand même l'impression que le jeu il freeze des fois. Gina, faut... ouais, il est là, il est bien là. Sors-moi de là, et je t'emmènerai avec moi. On sera riche, la puce. On vivra. Alors, c'est vrai? Tu as gardé tout l'argent du hold-up? Quel hold-up? Je les ai bien roulés. Ces salauds. Je partagerai l'argent avec toi, bébé. Et c'est pas son père, du coup? Là, et tu es là, va vers le oui? Il y a des gardes. Non, va vers la lumière. Les Sandretti n'ont rien trouvé. Évidemment qu'ils n'ont rien trouvé. Ils ont pris une voix un peu diabolique. T'es vraiment le plus fort, Joe. Alors il est où? T'es vraiment trop craquant. Quand tu me prends pour une truffe, bébé. Et du coup, c'est pas son père. Son père, il appellerait quand même pas bébé. Bon, ok. Je vais revenir et t'aider à t'échapper. Je vais t'attendre. Mais grouille-toi. Joe? Il est parti. Et j'avoue que je n'aime pas du tout ce que j'ai vu. Gina, moi non plus. Vous avez joué avec mon esprit. Cela peut être très dangereux. J'espère que vous ne le regretterez pas plus tard. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Ouais, Brian, ouais, reste flippante, Mama Dorita, mais moins flippante que Brian, du coup. Oscar, que Joe. Détache Brian et emmène-le dans ma chambre. Spoiler alerte, si. Oui, c'est ça. J'espère que vous n'aurez pas de problème avec d'avoir provoqué un esprit. Non. En vrai, moi, je suis pas trop croyant sur ces trucs-là, mais... ça fait flipper quand même. Gina? Oscar t'a mis au lit. Tu as dormi près de 24 heures. La ah oui, quand même. Complètement épuisé. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans le puits des âmes? Plutôt, oui. C'était comme dans un rêve. Comme flotter au-dessus de mon corps. Mais je me c'est une bonne sieste. Ce n'est pas ton père que tu as invoqué. Non. C'était Joe. Joe l'Indien. Je sais pas comment il s'appelait son père. Moi, je pensais qu'il aurait pu s'appeler Joe, son père. Mais oui, par contre, oui. Voyons. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté à propos de la mort de mon père à l'hôpital? Oui, évidemment. Oui. Eh bien, en fait, ce n'était pas complètement vrai. Ton père... D'accord. ...n'est pas... Non, il va très bien. Il ne travaille pas pour le gouvernement, il élève des moutons à Marion Bridge, dans l'Utah. Tu as inventé toute cette histoire? Pas tout. Laisse-moi t'expliquer. Ouais, mais t'as quand même menti, quand même. Pink Iguana, mais je n'étais pas vraiment chanteuse. Plus une danseuse de charme. Ce soir-là, à la D'accord. fin de mon numéro, j'ai discuté avec Joe l'Indien, un type un peu glauque qui venait d'être libéré sur parole.
Joe avait un peu trop picolé. Il m'a raconté qu'il allait commencer une nouvelle vie et que je devrais partir avec lui. Il m'a montré le crucifix qu'il avait porté autour du cou pendant ses 4 années de prison. Il a dit que... Du coup, c'est vraiment un indien au pied, lui. Non, c'est pas bien de mentir, non. Il était bourré, donc je l'ai pas trop pris au sérieux. Je me suis dit qu'il avait l'intention de rentrer dans les ordres. D'où le fait qu'il a trahi les Hopis. Il avait raison. Ils sont arrivés. Joe m'a demandé de garder le crucifix et de disparaître avant qu'il ne me voie. Tout ce que je t'ai raconté sur ce qui s'est passé dans la réserve du Pink Iguana est vrai. Sauf que c'est pas mon père qui a été tué, mais Joe. Ils l'ont interrogé et tabassé. J'avais entendu parler des Sandretti, mais ce soir-là, j'ai pu constater de mes yeux à quel point ils sont dangereux. Quand ils ont tué Joe, j'ai crié, ils m'ont vu, et je me suis enfui aussi vite que j'ai pu dans la rue. Et je l'ai écrasé. Enfin, Brian l'a écrasé. Tu es resté bien visible, c'est ça? Ouais, mais ils sont aveugles, ils l'ont pas vu. Pourquoi l'interrogeait-il? Qu'avait-il fait? Joe a passé 4 ans en prison suite à un hold-up. C'était un coup organisé par les Sandretti. Joe travaillait pour eux à l'époque, et il faisait partie du groupe qui a effectué l'opération. Au début, ouais, tout s'est bien passé. À peu près, j'avais compris ça du coup, à peu près. Les Sandretti étaient censés récupérer l'argent dans un garage quelques heures plus tard. Mais quelqu'un les a piégés. Le garage était bourré de flics et les voleurs ont été arrêtés. Heureusement pour eux, les Sandretti n'étaient pas venus en personne et leur implication n'a pas pu être prouvée. Cependant, tous les voleurs ça, en même temps, c'est les mafieux sont assez forts pour ça. Hein. Ils vont pas y aller tout seuls. 2 jours plus tard, à la frontière mexicaine, mais surtout. Ouais, ils vont pas y aller eux-mêmes. Hein. Ils envoient quelqu'un. N'a jamais été retrouvé. Comment ça? Il n'était pas dans le garage et Joe ne l'avait pas sur lui quand on l'a arrêté. Il a juré s'être enfui du garage sans rien. En dépit d'une enquête poussée, la police n'a jamais retrouvé l'argent. D'après ce que j'ai entendu le soir où ils ont tué Joe, les Sandretti le soupçonnaient d'avoir gardé l'argent et d'avoir prévenu les flics. Ils étaient persuadés qu'il avait caché le butin quelque part pendant ses 2 jours de cavale et qu'il s'était laissé attraper pour éviter d'éveiller les soupçons des Sandretti. Tu crois vraiment qu'un type avec autant d'argent dans les poches s'amuserait à se laisser capturer en sachant très bien qu'il risque de passer des années en prison? Oui, puisqu'il n'avait pas d'autre choix. Il savait que s'il s'enfuyait avec l'argent, les Sandretti le pourchasseraient et le trouveraient bien avant la police. Il a estimé que 20 millions de dollars valaient bien 4 ans de prison. Ah oui, quand même. 20 millions 20 millions. Millions. Joe avait dû penser que d'ici à sa libération, les Sandretti auraient oublié cette histoire et qu'il pourrait prendre tranquillement sa retraite. Et les choses ne se sont pas passées comme oublier ça. Des mafieux qui oublient du pognon volé. Qu'ils ont volé, mais qu'il aurait été volé du coup. Ça fait une belle somme, hein. Et puis 20 millions, tu n'oublies pas non plus. Non. Ce monstre de Gustave l'a tué trop tôt, et Joe n'a jamais avoué avoir gardé l'argent. Alors on n'est même pas sûr que Joe l'avait vraiment. Oh que si, il me l'a dit par ta propre bouche pendant la séance. Ah oui, c'est vrai. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à lui faire avouer où il a caché l'argent. Donc, la seule chose qui t'intéresse dans cette histoire, c'est de mettre la main sur l'argent, hein? Non, enfin, pas seulement. J'essaye de sauver ma vie. J'ai assisté à un mais pas que. Je sais très bien qu'ils me tueront pour m'empêcher de parler. Après, j'avoue que si je trouvais l'argent, je pourrais recommencer ma vie loin des Sandretti. C'est un crime pour toi? Ça dépend du point de vue. Par contre, je ne comprends pas... On peut mener en bateau quand même, Gina, mais bon. Quand ils nous ont piégés dans le musée à Chicago. Quelqu'un au Pink Iguana leur a sûrement dit que Joe discutait avec moi avant leur arrivée. Ils ont dû se dire que je savais quelque chose sur l'argent et voulaient m'interroger. Heureusement, t'as été génial et tu nous as sortis de cette horrible cabane. Oh, me fais pas ton cinéma, hein. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Mais quel... con. Je me suis laissé embobiner sans réfléchir. Je t'en prie, Brian, pardonne-moi. Je te jure que je n'avais pas l'intention de te mentir, mais j'étais terrifié. Et j'avais peur que tu ne m'aides pas. Mon avis, c'est pas fait embobiner que par les paroles. Je suis tellement con que je t'aurais aidé de toute façon. Mais cette fois, c'est fini. Je file en Californie, et toi? Non, je t'en prie. Tu te débrouilles. Tu sais qu'ils vont me tuer. Tôt ou tard, ils me trouveront et me tueront. Ma seule chance, c'est de trouver l'argent et de quitter le pays, tu le sais. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. S'il te plaît. Ok, je vais t'aider à le trouver, ton fric. Et après ça, je veux plus jamais te revoir. Pigé? Ne dis pas ça. Je tiens réellement à toi. Oh, ça suffit, hein? Tu t'es déjà assez foutu de moi comme ça. J'ai dit que j'allais t'aider. Et t'auras même pas à écarter les cuisses. Crois ce que tu veux. C'est pas gentil, ça. Et puis... Brian, quand même. Si on trouve l'argent, la moitié te reviendra. J'en veux pas de ton putain de fric. Comme tu voudras. Bon. C'est quand même pas gentil, Brian. Bon, le coup du putain de fric, oui, je... Le doigt dans la bouteille a forcément un rapport avec. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Par où commencer à chercher? Ah oui, c'est vrai qu'il avait... Oui, c'est lui qui a laissé le doigt dans la bouteille, du coup, au pi. Avant le hold-up. Quoi? Il m'avait dit qu'il aimait prendre quelques jours de vacances sur ses terres en Arizona, entre deux boulots. Il aimait retourner dans la vieille caravane où il habitait avant de venir à New York. Cette caravane est forcément dans les parages.
Si nous la trouvons, nous trouverons peut-être aussi un indice sur la cachette de l'argent. Ouais, c'est une idée. Bon, je vais essayer de retrouver cette caravane. Je viens avec toi. Ma jambe est presque guérie. Pas question. Tu n'es pas rétabli et j'ai pas envie de te porter. Tu vas me faire la gueule jusqu'à la fin de ta vie. Non, puisque d'ici quelques jours, tu n'en feras plus partie. Ok, débrouille-toi tout seul si ma compagnie te pèse tellement. J'y vais, mais je vais revenir. Je n'ai qu'une parole, moi. Au revoir. Je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ou ça a moins bien flambé. Tiens, est-ce que tu sais qu'il y a pas ici une caravane? Quoi? On cherche une caravane. Tu te souviens avoir vu une caravane dans les parages? Un Indien nommé Joe y vivait il y a quelques années. Non, ça oui, non, après il a un peu le droit d'être en colère, je suis tout à fait d'accord. Non, c'est juste la réflexion sur les... Voilà, ça justifie pas tout. La réflexion sur les cuisses, je suis pas trop d'accord. Qui râle parce que... Enfin, voilà, qui gueule un peu parce qu'il s'est fait mener en bateau, ça je suis totalement d'accord. Mais on aurait pu se limiter à des... Il aurait pu rester courtois. Mais putain, ça allait. Parce que c'est pas, c'était pas dirigé vers elle. Alors, bah du coup, ouais. Que faisais-tu avant de travailler pour Mama Dorita? J'aime pas trop penser. Tu veux toujours pas nous en parler? Juste d'accord. Dire que je suis pas très fier de certaines choses que j'ai faites. Heureusement, Mama Dorita est entrée dans ma vie comme une lueur salvatrice et a tout changé. À présent, ma seule mission est de la servir. D'accord. Bon, bah tant pis. Ok. Mais y a pas vu de caravane, mieux. Moi, je pense quand elle a dit le puits, je pense que celui-là, moi. qui c'est qui peut... Ah, mais y a Sushi qui connaît un peu les environs, peut-être nous renseigner. Je crois que la première chose à faire est d'aller voir Sushi. Je dois discuter de tout ça avec quelqu'un de confiance. Merci Brian, hein, je l'ai dit, avant toi. J'ai pas dit qu'elle était de confiance, j'ai juste dit que il fallait parler à Sushi. Salut Sushi. Salut Brian. Ça roule? T'as trouvé quelque chose? Ouais, mais je suis pas sûr de beaucoup apprécier. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que tu m'as raconté pour m'embringuer dans cette histoire n'était qu'un tas de mensonges. C'est vrai? Une partie. Explique. Eh bien, tu te souviens de l'histoire avec le père de Gina? Oui, la pauvre a assisté au meurtre de son père par ces deux salauds. Ouais, et ben oublie ça. Son père est en vie et il élève des moutons à Marion Bridge dans l'Utah. Hein? Et c'est là que Gina m'a tout raconté. Elle ne peut pas retourner à New York. Elle ne survivrait pas deux jours. Elle espère que je vais l'aider à retrouver l'argent que Joe a volé afin de pouvoir commencer une nouvelle vie. Je sais pas quoi faire. L'argent ne m'intéresse pas, mais je ne veux pas abandonner Gina comme ça. Et puis, je suis tout autant en danger que Gina à présent. C'est sûr, c'est ça. À mon avis, arrivé à ce stade, cet argent n'a plus de propriétaire. Gina ferait tout aussi bien de le garder et de commencer une nouvelle vie, plutôt que de laisser des bandits comme les Sandretti s'en emparer. Quant à la banque où l'argent a été volé, je suis sûre qu'elle a été remboursée par son assurance il y a des années, donc c'est pas un problème. Je sais pas trop. Depuis mon départ de New York, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de mon existence. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que quelqu'un s'amuse avec moi, contrôle tous mes faits et gestes, et me manipule comme une marionnette. Comme dans ces vieux jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Comment? Les jeux d'aventure? Ah, non. Dommage qu'il soit devenu si rare. Allez, courage, Brian. Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci, Sushi. T'es adorable. Bon, je dois essayer de trouver la caravane de Joe. Elle est forcément quelque part dans le coin. J'y trouverai sûrement des indices menant à l'argent. Une vieille caravane? Je me rappelle pas en avoir vu une, mais je ne sors pas souvent de Douglasville, sauf pour aller chercher des provisions. Essaie de demander à Robbie ou à Saturne. Ouais, je vais aller leur parler. A plus. Ok, à bientôt. Bon, Sushi peut pas m'aider, mais peut-être Saturne ou Robbie. On va commencer par Robbie, il est à l'étage inférieur. Il a des infos, au moins ça nous évitera de monter. Et de déranger Saturne en train de faire sa sculpture. Hé hey, Robbie. Hé hey, alors, il t'a plu mon petit cocktail? Super, il a eu l'effet désiré. Mais je peux t'assurer que je suis pas prêt de réessayer. Ah, ah bon? C'est bien le... Ah, oh bon, oh bah non, c'était bien pourtant. T'aurais pas aperçu une caravane? T'aurais pas aperçu une caravane dans les parages, au cours de tes expéditions pour récolter des herbes? Une caravane? Non, j'ai pas vu de caravane, man. Ok, bon bah merci. Je vais te laisser, Robbie. A plus. A plus. Eh ben, il nous reste Saturne. Après, s'il y aurait Madorita, mais...
cru qu'on aurait pu aller revoir Mama Dorita. Alors, Saturne. Hé, hey, Saturne. Quoi? Dans notre quête de matières premières, tu n'aurais pas aperçu une caravane par hasard? J'ai dû voir une vieille caravane une fois ou deux, mais elle avait l'air abandonnée. Cool. Et dans un sale état. Où l'as-tu ça c'est normal, il est mort. Tu t'en souviens? Il est en prison c'est et maintenant il est mort. Important. Voyons. C'était il y a 7 ou 8 mois. À l'époque, je travaillais sur un projet qui nécessitait une grande quantité d'argile. J'étais donc à la recherche de terrains argileux. À ce propos, je t'ai parlé de cette œuvre ambitieuse, la réplique exacte de la ville de Florence, comme elle était au cours de la seconde moitié du 14e siècle. La splendeur de Florence. Je vais juste la Santa Maria del Fiore et son Duomo, et c'est très bien. Saturne, je suis sûr que c'est passionnant, mais je suis plutôt pressé. Je repasserai plus tard pour que tu me parles de ton travail en détail. Mais Florence, il y a plein de trucs, mais... Contente-toi de me dire où tu as vu cette caravane pour l'instant. Oh, c'est Santa Maria del Fiore et le Ponte Vecchio. À environ une heure d'ici. Merci, j'espère que j'arriverai à la trouver. Tu devrais vraiment prendre le temps de faire une introspection, bébé. T'es toujours à la recherche de quelque chose que tu n'as pas. Ouais, t'as vu ça? On en parlera plus tard, Saturne. À plus tard. Ciao, bello. Il veut finir vite, hein. Il veut rusher. Il a l'impression que quelqu'un lui contrôle sa vie. C'est pas vrai, hein. Non, tu vas par là. Non, c'est pas vrai. Personne ne contrôle. Alors, il a dit qu'il y avait la caravane, je sais plus où. Alors, vas-y. La caravane. Chemin. Ah, merde. J'ai coupé la chic. Voilà, il a coupé la chic à Saturne, du coup, il a pas eu le temps de parler. Ah, voilà la caravane. Aucun ouais, doute, c'est surtout. C'est la bonne. Bon, voyons ce qu'on peut trouver par plein ici. Plein de déchets, c'est dégueulasse. Un vieux vélo. C'est pas des trucs copies, ça. Sérieux, les gens sont des porcs. Ah oui, la caravane. Quelle épave. Inutile d'espérer faire démarrer le moteur. C'est une caravane, Brian. C'est pas un camping-car. Ou... Quelle épave. Compliqué pour la faire démarrer. Impossible, elle est fermée. D'accord. On a quoi? On va regarder la caravane, mis à part ça... Tu peux aller plus loin pour voir. C'est moi ou c'est un drapeau confédéré ça? Il est assez vieux, mais je pense qu'il tiendrait le coup si une voiture passait dessus. Eh oui, voilà pour pourquoi tu parles de la caravane, Julien. Ça serait une perte de temps. En plus, ces planches n'ont pas l'air légères. Ouais, un moteur. Oui, possible qu'il y ait un moteur pour l'électricité, ouais, c'est possible. Caravane là, je sais pas comment. Enfin, c'est pas nos caravanes à nous, donc. Empêcher les gens de perdre de temps. Oui, c'est bon, j'ai déjà fait ça. C'est possible, oui, t'as raison. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avec le tisonnier? Les tisonniers. J'ai, il se déplace. Ça veut peut-être dire que oui. Je vais essayer de l'utiliser pour forcer la porte. Ça a marché. Bon, voyons ce qu'il y a là-dedans. Attends, un levier. Oh, un coup de lago d'acier, non, toujours pas. Bon, je dois c'est ça, c'est sûr. Moins je traînerai là-dedans, mieux ce sera. Sur Sandrock, ouais. Ce matin, à Sandrock. Ça ouvre les capsules temporelles. Voilà. Mais c'est tout. Non, disons-y, c'est bon. Vas-y, regarde le coffre. Il y a tout un tas de vieilles fringues. Ok. Et quoi, il y a une lit. Plus accueillant que le reste de cette caravane. Attends, vous avez tout dit, la caravane, et le frigo est ouvert et tout est pourri dedans. Rien de bien appétissant. Des vieux restent en état de décomposition avancée et des bouteilles vides. Tu m'étonnes. Ça, c'est le frigo, le réfrigérateur, non. Enfin, le. La gazinière, non. Ou la cuisinière plutôt. Dites-moi que je rêve. Un habit de nonne. Ouais. Non, je préfère ne pas y toucher. J'ai un d'accord. Certain respect envers ce genre de choses. Ouais. Ouais, mais t'as pas autant de respect pour Gina tout à l'heure. Même si elle t'a menti, je suis d'accord. Il n'y a que des fripes là-dedans. Et je ne pense pas que ce soit bien utile.
Le morceau de fromage de l'étagère du haut est périmé depuis plus de 4 ans, alors... Patate. Quoi, t'as entendu frites? Je ne m'allongerai pas là-dessus, même aux côtés de la plus belle fille du monde. C'est vrai que ça faisait des frites, ça faisait un peu frites, bah, je suis d'accord. Ouais, mais je veux pas les prendre, les habits de nonne. Je préfère ne pas y toucher. J'ai un certain... Ouais, je sais. Si tu essaies de les embarquer avec les tisonniers. Ouais, bon bah non. Je sais pas, moi... Moi, Brian. Là, il y a des frites. Ouais, frites. Il n'y a pas de frites. Oh, on crame tout, ouais, pourquoi pas. Mais avec quoi? On a plus rien pour mettre le feu. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Ça ne me paraît pas brillant comme idée. C'est pour désodoriser le coin. Non, je sais pas. Je sais pas ce que tu veux que je fasse. Quelle épave! Ouais, il va dire la même chose. Il n'y a rien d'intéressant à l'extérieur. Je veux pas qu'on regarde le drapeau. Je me demande quand même, voilà, c'est pas un drapeau confédéré. Mais... Il est assez vieux. Ouais. Tu peux traverser? Non, tu veux pas traverser, ok. Là, t'as vu une trappe? Dehors ou dedans? Attends, je vais voir. Vu une trappe. Je vois pas de trappe dedans. Dedans? Ça? Ça, il a pas l'air de vouloir y aller. Là? Ça, là? Ouais, il a pas l'air de vouloir y aller. Enfin, de vouloir faire quelque chose dessus. Ouais, j'ai rien qui se transforme, malheureusement. L'icône. Ma souris ne se transforme pas. Tu peux fouiller la fripe avec n'importe le tisonnier. Quoi. D'accord, ok. J'ai compris. Bon, bah, remets la bouteille dedans. Je ne sais pas. Non, avec le frigo? Je vois pas pourquoi je ferais ça. Je sais pas, je teste. Ça ne me paraît pas brillant comme idée. Ok. Le tisonnier. Je ne suis pas convaincu. Non. Je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est ça ce qu'elle appelle. Ça ne pas à grand chose. N'importe quoi. Ce n'est pas une bonne idée. N'importe quoi. Ok, donc le scalpel c'est niette. N'importe quoi. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Et il n'y avait rien là. Faut pas aller là. Non. Je veux pas aller devant. Il veut pas changer. Ça change pas la scène, donc non. Je sais pas. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Pour voir s'il y a dedans, éclairé, on va essayer sur le pont. Après tout, on peut interagir avec le pont. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Ok. Avec le tisonnier. Non. Range d'arbre, mais là je vois pas du tout. Moi ce sel, le scalpel. Ok. Il n'y a rien d'intéressant à l'extérieur. J'ai rien vu d'intéressant à l'intérieur non plus. Ah, le vide-poche. On va pas avoir des vide-poches. Il y a des vieux papiers à l'intérieur. Ok. Bah, prends-les. Je vais y jeter un coup d'œil en vitesse. Ah! Ah, une publicité pour une banque. Peut-être que l'argent se trouve là-bas. Mouyev, je crois. Enfin, non, c'est dit Mouyev, je crois. Hop, je vois. Joe a sûrement déposé l'argent dans cette banque. Je dois trouver un moyen de m'en assurer. Appelez le 1-800 Mouyev for personnel assistant. D'accord. Ok. Qui peut m'aider sur ça? Bien joué. Il y a des vieux papiers à l'intérieur. Je vais fouiller encore un peu. Ah. Non, vas-y. Rien d'intéressant.
L'intérieur, on a rien vu d'intéressant. On va peut-être poser une question qui serait plus à même de nous renseigner, c'est Sushi. Alors, est-ce que Sushi peut me renseigner sur ça? Sushi. Une accuse, s'il faut, elle connaît la banque, elle a peut-être déjà hacké leur système. Tu as trouvé des indices sur la cachette du magot ? Oui, j'ai trouvé la brochure d'une banque de sécurité maximale dans la caravane. Tu pourrais jeter un coup d'œil sur internet, histoire d'en savoir un peu plus sur cette banque. Ou ouais, elle peut faire ça aussi, se renseigner. Je termine juste un petit travail et je m'en occupe. Laisse-moi la brochure sur le bureau. Ok, merci Sushi. De rien, je te tiendrai au courant. Ok, on fait quoi pendant ce temps-là, nous ? Est-ce que s'en aller et revenir, ça marche ? Dans la brochure. Un scanner, une imprimante. Ouais, ou je sais pas. Un réveil électronique et une plante. Un cactus, pour être précis. C'est pas la brochure, ça ? Bon, lui parler quand même. Je sais pas si c'est timé ou pas dans le jeu. Désolé, si c'est juste le fait de changer de. Le fait de changer de scène, ça permet de. Qu'elle fasse ce truc. Du nouveau sur cette brochure de banque ? Non, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Ok. Donc t'as pas eu le temps. Sushi, on discutera. Donc il faut okay, qu'on fasse quelque chose. On n'irait pas faire notre rapport à Oscar. À Gina. Ouais, Mamar Dorita, je sais pas quoi. Enfin, si on peut faire comme Mamar Dorita. Ok, entre. Elle peut nous aider. Bonjour, Mamar Dorita. Bienvenue dans ma petite hacienda, Brian. Que peut faire Mamar Dorita pour vous? Ne plus faire de gros plans, s'il te plaît, ça faisait flipper. Et ne plus me transformer en démon non plus. bah non, plus voir Gina. Gina. Bon, bah allez, voir Gina. Il nous a menti, mais on peut bien faire un rapport. Gina était toute excitée quand je lui ai dit que ah oui, c'est trouvé ça. La caravane de Joe. Elle est certaine que l'argent est tout proche. Je comprenais pas pourquoi on est retourné dehors, mais pas grave. Bon bah du coup, allons voir Sushi. Brian, viens vite. Ah bah oui, j'ai c'est des bon. Nouvelles. J'arrive. Elle a pas peur de se casser la gueule du plancher quand même, rouler comme ça avec sa chaise. Alors, tu as trouvé quelque chose ? Eh bien, j'ai d'abord cherché à savoir à quel type de banque correspond cette brochure. Ce n'est pas une banque conventionnelle. Les clients louent des coffres de dépôt pour y stocker leurs biens. Argent, bijoux, antiquités, enfin, tout ça, quoi. Ils n'ont aucune explication à fournir sur ce qu'ils déposent. Okay. Je peux t'assurer que cet endroit est une véritable forteresse. Il n'y a jamais eu un seul hold-up, ni même de tentative. Alors, tu penses que Joe a caché l'argent ? C'est une banque... C'est une possibilité. Ce type de banque fait payer ses services une fortune. On peut mettre des trucs quand on est mafieux, quoi. Et ensuite des taxes astronomiques au gouvernement en échange d'une certaine immunité. De ce fait, la police n'a pas accès à la liste des clients ou des objets en dépôt. C'est clairement l'endroit idéal D'accord. pour planquer son magot. Grâce à mes talents particuliers, j'ai réussi à pénétrer dans la base de données de la banque. Mais je n'ai trouvé aucun Joe dans la liste des clients. Ce qui n'a rien de surprenant, si Joe a effectivement caché l'argent ici, c'est probablement plus pour blouser les Sandretti que la police. Mais le plus gros indice que j'ai découvert concerne le système de sécurité de la banque Mohave. Lorsque oui, les clients c'est ont ça aussi, ou quand t'as assez de thunes et que tu veux pas qu'on te pose de questions. Ouais. Que dalle. En fait, on analyse leurs empreintes digitales, et lorsqu'un client désire accéder à son coffre, il lui suffit de poser son index sur un scanner afin de s'identifier. Et hop, ça s'ouvre. Tu vois où je veux D'accord. en venir ? La bouteille de formol que j'ai trouvée dans la crypte sacrée. Bah oui. Bingo. Y'a un doué. J'ai fouillé un peu dans les bases de données de la police, en entrant le nom complet de Joe Taiwan Gyoma. J'ai découvert qu'il a effectivement été retrouvé mort connaît son nom. On connaissait même pas. En approfondissant encore un peu plus mes recherches sur son nom, au demeurant un peu ordinaire, je suis tombée sur un truc intéressant. Il y a 4 ans,
le cadavre d'une femme a été retrouvé dans la rivière Grangila. Après identification, elle s'est avérée être sœur Juana Buanadicha de la mission Santa Clara en Californie. Ah bah tiens, une sœur. Étranglée et balancée dans la rivière. Ah bah super. Mais on a trouvé un... Juana Buanadicha est le nom qu'elle a pris en entrant dans les ordres. Cependant, c'était une indienne. Et son vrai nom était Marie Tawang Vioma. Elle était de la famille de Joe. Ah, et sa sœur jumelle. Et devine ce qui manquait sur son cadavre lorsqu'on l'a découvert. Un doigt. Je parie que c'était son index droit. Quel talent! Et à quel nom penses-tu que le coffre de la banque Mohave est loué depuis 10 ans? Sœur Juana Buenadicha. Ouais, on l'applaudit bien fort! Tout colle à présent. Joe a demandé à sa sœur de louer le coffre de la banque Mohave et y a déposé l'argent. Il n'avait sûrement pas prévu de la tuer au début, mais il a dû craindre qu'elle ne le trahisse pendant qu'il était en prison. Ce salaud a préféré ne pas prendre de risques et a étranglé sa propre sœur. Lui a coupé le doigt et a balancé le corps dans une rivière. Il a dû se dire qu'il ne serait pas difficile de se déguiser en nonne et d'utiliser le doigt de sa sœur pour récupérer l'argent le moment venu. J'ai entendu dire qu'au final il est bien où il est, Joe. Le sacré Hopi est un peu bizarre, mais il devait manquer de temps. Et il avait besoin d'un endroit sûr pour stocker le doigt pendant les 4 années qu'il s'apprêtait à passer en prison. Il connaissait la crypte et ça lui a paru comme une bonne solution. Il ne se doutait probablement pas que les Sandretti auraient des soupçons et se lanceraient à sa poursuite à la minute même de sa sortie de prison. Du beau boulot, Sushi. Je suis impressionné. Merci. Bon, on pourrait faire flic. Que rien ne peut t'empêcher de récupérer l'argent en utilisant le plan préparé par Joe. Mais, par sécurité, il vaudrait peut-être mieux que ce soit Gina qui se déguise en Juana Buenadicha. Elle n'a qu'à se déguiser en nonne et utiliser le doigt. Elle ne devrait pas avoir de mal à récupérer l'argent. Ces banques ne posent pas de questions. Sushi, je crois qu'il serait normal que tu touches un peu de cet argent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, tu as largement mérité ta part. Non merci, Brian. Je n'aime pas trop aborder le sujet, mais... j'ai déjà largement assez d'argent à disposition. Je ne pourrais pas dilapider ce que j'ai hérité même en vivant 1 millier d'années. L'argent ne m'intéresse pas. Probablement parce que je n'en ai jamais eu besoin. Eh ouais, je suis comme ça. Allez, ne te prends pas la tête, Brian. Récupère l'argent avec Gina et démarre une nouvelle vie. Il te suffit de trouver un costume de nonne, ça ne devrait pas être... Non, c'est ça, MVP, ouais. Maintenant que j'y pense, j'ai mis un habit de nonne dans la caravane de Joe. Oh, ouais, ouais, je sais. J'avais pensé à aller le récupérer, Brian. Bon, je voulais que tu récupères avant, en fait. Mais bon. Ne pars pas sans me dire au revoir. Bien sûr que non, Sushi. Je repasserai te voir avant de récupérer Gina et de partir. A plus. A plus, Brian. Allez, bon. Bah du coup, on va sûrement cesser ça pour le prochain live sur Runaway. On va passer sur sur Wolfenstein. La petite conclusion YouTube et tu pourras utiliser la. C'est sans alcool. Voilà ce que j'allais dire. Bah, du coup, je laisserai. Tiens. Du coup, pour vous qui nous avez regardé sur YouTube, j'espère que ça vous a plu. Donc, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.